Alors ici, on est sur un site industriel, une ancienne gravière, sur lesquelles les propriétaires exploitants souhaitaient valoriser au mieux leur espace foncier. Et à Marinco, cherchaient des étendues d'eau disponibles, opérationnelles, pour pouvoir implanter une centrale photovoltaïque. Donc on est sur une centrale d'une puissance de 4,8 mégas, donc 1,3 mégas posé au sol fixe sur les berges et 3,5 mégas sur l'eau. On est ici sur une étendue d'eau fixe, stable, avec peu de mouvement, ce qui permet d'éviter de trop secouer la centrale photovoltaïque. On a des berges accessibles pour la construction et on a une surface suffisante pour pouvoir implanter une centrale conséquente. On a choisi de travailler avec Cellétaire pour plusieurs raisons. C'est une technologie qui est reconnue sur le marché. Ils ont un certain nombre de projets dans le monde réalisés qui sont en exploitation, qu'on a pu visiter. Et enfin, ils nous ont accompagnés pendant tout le déroulement du projet, très en amont, c'est-à-dire au dimensionnement, au choix des matériaux, au design de la centrale, ce qui nous a permis de développer au mieux ce projet photovoltaïque. Le scope de Cellétaire sur ce projet, par des études d'ingénierie jusqu'à la réception finale de la centrale. Donc ça inclut le dimensionnement de la plateforme flottante, le dimensionnement du système d'ancrage, la fourniture du matériel, l'installation des ancres et aussi l'assemblage de la plateforme flottante avec les panneaux solaires. L'Hydrelio R est l'une de nos solutions de solaire flottant. Il consiste en différents flotteurs faits en PEHD, donc 100% recyclables. Certains permettent d'installer les panneaux solaires dessus, d'autres permettent de créer des allées de maintenance pour pouvoir circuler sur la centrale. Tous ces flotteurs assemblés forment la centrale flottante. Les panneaux sont très faciles à monter sur une petite structure qui vient sur les flotteurs. L'assemblage entre des flotteurs fonctionne très très bien et donc il y a une mise à l'eau assez rapide et donc un montage très 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 rapide de la centrale. Le dimensionnement du système d'ancrage est vraiment l'étape clé dans le projet puisque le système d'ancrage permet de maintenir la centrale en place et de garantir sa sécurité, donc sa longévité. Sur cette centrale solaire, l'ancrage a été réalisé au fond du lac. On a donc mis une barge sur l'eau sur laquelle on a monté une pelle de 8 tonnes. Nous avons donc planté les ancres au fond du lac par des profondeurs de 2 à 3 mètres. Le vrai challenge était que le lac n'est plus exploité, donc le sol au fond est très très dur et on a dû changer nos outils, on a dû adapter les ancres et changer aussi les méthodes de travail pour réussir à finaliser le projet dans le temps voulu. Ça a été très facile de travailler avec Cellétaire, que ce soit en termes de communication, en termes d'organisation sur site. Les délais ont été respectés. Il y a eu un sérieux dans l'installation et dans le contrôle ensuite de la centrale. Cellétaire est un très bon sous-traitant sur ce projet pour plusieurs raisons. Outre que leur technologie est très reconnue dans le monde, qu'ils ont déjà fait leurs preuves sur ce type de projet, le chantier s'est très très bien déroulé en termes de planning, en termes de budget, en termes environnement, qui était un point important pour Amanco, et sur l'aspect sécurité, c'était des travailleurs formés, aguerris, et qui étaient équipés pour pouvoir travailler sur l'eau.